Tu vois pas? Tu vois? Approche pour voir. Président, ils arrivent. Oh, oh, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est eux tous. C'est tout le monde qui est là. Mais. C'est les représentants. Oui. C'est ceux-là qui te font fuir. Bonjour, madame. Mais vous êtes qui? Bonjour, messieurs. Mmh. Monsieur êtes... le président. Oui. Mmh. Messieurs les vice-présidents. Mmh. Le peuple, par ma voix, me charge de vous dire merci. Vraiment, mmh, grand merci pour votre geste honorable. Mais attendez, vous avez fait quoi de Charlotte? Elle est où? Charlotte, là, elle est où? Ne vous en faites pas. Bonjour, ça va les amis? Oh, madame la vice-présidente. Ça va? Merci, oui, ça va. Ça d'accord, va. Je vous présente le bureau exécutif du Parlement. Oui. Voilà. Charlotte, vous êtes amis? On a négocié, oui, hein, ça va, tout oui, va bien, oui, n'est-ce oui, pas? Ça va, ça va. Ça va, vous, là-bas, derrière? Oui, vous ça avez va. Dit bonjour? Dites bonjour. Bonjour. Dites bonjour. Bonjour. Oui. Voilà. Voilà. Tout est réglé, hein? Hein? Quoi, ça? Mais vous nous remerciez, pourquoi de... Non, 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 attendez, madame, ils sont contents, ils disent merci, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, elle a dit merci, non, merci mais, de t'avoir envoyé. Non, mais félicitez-moi, hein, parce que j'ai réglé le problème. Hein. J'ai fait venir le comptable du Parlement qui a décaissé 500 millions hein, oui, pour les familles qui sont touchées par l'augmentation des prix. Oui, c'est vrai. En tout cas, le peuple est très reconnaissant pour voilà. ce geste généreux. Ah, oui, attends, le peuple attends, n'oubliera pas, pas de sitôt. Attends, hein. attends, attends, Charlotte, tu as trouvé 500 millions où? Voilà. Mais le comptable a décaissé 500 millions. Le comptable d'où? Comptable? Le comptable du Parlement. Comment ça, comptable? Mais il va enlever 500 millions là où? Eh, dans son bureau, il y a l'argent, hein. Vous ne savez pas? Ah. C'est pas notre argent, là. Non. Ça va, je veux bien. Non. C'est... Calmez, ça va aller. Non, mais c'est quel argent, ça? C'est notre argent. Elle a pris, elle a donné aux gens. L'argent qu'on doit prendre. Quel argent? Mais j'allais vous dire. Pour faire le voyage, là. Oui. L'argent de voyage, là. De Noël, là. Noël, là. Mais pourquoi tu prends? Mais j'avais attends. La signature. Quelle signature? Mais tu te prends pour qui? C'est moi qui ai la signature. Mais non, j'avais la signature sur les primes du Parlement, sur le truc de Noël, là, hein, les primes. Mais ah. pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi pas? À qui? Attends, tu veux que les tomates pourries, cette fois ce sera les œufs pourris. On s'en fout des tomates! Et ces tomates, on ne mange pas ça tous les jours. Tu as pris la prime pour le la voyage prime. De Noël, là, tu leur as donné. Ce qui est sûr, il n'y a plus de manifestants. Non, ramenez l'argent là-haut. Non, non, il n'y a plus de manifestants dehors. Mais ils sont contents, ils disent merci, madame. Madame, dites merci. Madame, dites merci. En tout cas, vraiment merci. On s'en fout, prenez la rue. Prenez la rue, retournez l'argent. On a levé tous les barrages. Retournez l'argent. Que le peuple est rentré chez lui. Prenez la rue, retournez l'argent. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment grand honneur. Ouais, 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 ouais. Non, hey, Charlotte. Merci. Venez. Président, au nom de je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai jamais commis un crime. C'est la première fois que je vais commettre un crime. Parce que si mon argent ne rentre pas, au nom de Dieu, si j'ai loupé Charlotte, je tue le président. L'argent que j'ai promis à ma femme pour son voyage en Chine. Charlotte a pris ça pour donner aux gens qui manifestent. Mais Tigbe, ma femme est devant. C'est elle qui va en Chine. Ma femme devait aller acheter les mèches brésiliennes à Guadalajara. je vais lui expliquer quoi? Je suis mort. Mais ça, je ne vais pas rentrer à la maison aujourd'hui. L'hélicoptère, là, il va venir. Hein. Il y a deux places dans l'hélicoptère, là. Je viens avec toi. Oui, oui. Mais vous-même, c'est toi, c'est aller à Guadalajara. Toi, c'est quoi? Tu as promis à ta femme? En Chine. En Chine, hein? Oui. Moi, ma femme, je lui ai promis une voiture pour elle, une voiture pour sa sœur, et puis trois voitures pour la famille avec au village. Elle, l'argent, là. Mais calmez-vous, ce n'est rien. Faut pas dire ça. Faut pas dire non, ça encore. Pas dire ce ça. N'est rien, hein? Comme ça, remboursé. 500 millions ce comme ça. C'est non. Tu as remboursé. Non, remboursé. Calmez-vous. On est des parlementaires. Non, je suis non, le président. Moi, je suis le vice-président numéro non, 3, mais numéro 1. L'écouter. Non, devant l'argent, je mais suis écoute, pas parlementaire. Mais écoute-le, peut-être qu'il va donner pour nous, là. Oui, écoute-le, oui. Calme-toi. Ça, c'est rien, ça. Oui, oui, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que Charlotte, là, elle va me voir aussi. Charlotte, viens ici. Ça veut dire quoi de prendre l'argent des gens comme ça? Attends, Charlotte. Charlotte,